Et messieurs, dames, bonsoir. Et bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Minecraft Legends. Ah. Tout va bien. Tout va bien, madame la marquise. Tout va très bien. J'espère que tu vas bien, mais ouais, la petite a l'air d'être bien. Elle vous a salué à sa façon. Ouais, elle dort. Il y a toujours des éléphants, je sais pas ce que c'est. Mais ces oui, éléphants. T'as vu les bruits d'éléphants? C'est quoi ces bruits d'éléphants? Mais je n'en sais rien. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? En tout cas, moi je suis arrivée devant un camp ennemi que je m'empresse d'aller attaquer. Un camp d'ennemi. Voilà, hop là. Oula, attends, lequel? Oula, oh, c'est quoi cette carte? J'avoue. Wow. Je crois qu'elle est là-bas. Oh là, la carte, elle est, elle m'a fusillé les yeux, là. Fusillé les yeux, rien que ouais. Ça. Elle, ça pétillait de partout. J'ai chopé du fer encore. T'étais près du camp ennemi? Ouais. Est-ce que tu peux mettre les totems de golems? Les totems de golems. Les puits de golems. Est-ce que tu peux mettre quoi? Un puits, s'il te plaît, comme ça? Moi, en fait, je peux venir directement. Un puits. Ouais, beaucoup ouais. De ressources, un en puits. Fait, c'est bien ça, le puits. Est-ce que je peux le positionner quelque part? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même énorme. Je peux le poser quelque part, ce puits, tout. Là. Ouais, en plus, c'est énorme, mais c'est... Ouais, mais faut... Papa en rouge, tu dois... Je sais, attends. Tu dois le mettre... T'as assez de ressources? Je sais pas s'il faut des ressources. Ah non, je crois qu'il faut des pierres. Ah, mais je suis en train, justement, de... Il faut de la pierre. Je suis en train, moi, de miner de la pierre. Attends, je vais en miner aussi. Là, on dit pas piocher de la pierre, on dit miner de la pierre. Ah non, c'est là qu'il faut, voilà. Pierre, hop. Hop là, là on en aura blindé, il y a un gros truc de pierre là. Voilà, j'en ai mis là, on est à 130, 140. Je vais te mettre un peu de bois aussi. Ça c'est l'aspect peut-être que je préfère moi pour le moment du jeu. C'est quoi ça? C'est le fait de jouer en groupe, donc je crois qu'on peut jusque 4. Et tout est partagé, c'est-à-dire que moi par exemple pour le moment, je peux uniquement faire de la cueillette, de la récolte de ressources, pendant que les autres joueurs attaquent ou font des constructions ou autre. Et en fait, pour moi, ce jeu, un peu comme Valheim, un peu comme d'autres jeux comme ça, qui peuvent se jouer à plusieurs, si vous avez des éléments de gameplay que vous n'aimez pas faire, et d'autres que vous adorez, bah, essayez de trouver des amis avec qui jouer. Et t'as vidé mes pierres, là? Bah oui, je viens de faire un puits. Ah ouais, mais elle me dit rien, comme ça, moi, je peux me TP. Et donc, vous pouvez, comme ça, Attends, vous répartir... Il est pas encore construit, hein. Vous pouvez vous répartir les ressources. Et pour moi, ça en fait un truc très cool, parce que, tu vois, moi, j'aime... Bizarrement, ici, j'aime bien, moi, faire mes ressources. Explorer dans le monde, faire les ressources, pendant que les autres, à la limite, attaquent les villages. Il y a une dimension comme ça qui est très intéressante. C'est bon, le puits est fait, tu peux venir te TP... Je vous conseille, à moi, d'y jouer en multijoueur. Ouais, ouais, carrément. Je pense qu'en solo... Peut-être en PVP, ça peut être sympa, mais en solo PVE, je pense que le jeu peut être... T'as mis où ton puits? Bah, juste devant le village. Peut-être même long, parce que vous devez tout faire tout seul. Dès que vous êtes 4, je pense que ce jeu prend tout son intérêt. D'ailleurs, s'il y en a dans le chat qui veulent se joindre à nous... Mewen, elle est là. Mewen 6797. Ah, et regarde ce que tu peux faire. Hop là. Tu peux rappeler tous les golems, mais on n'a aucune créature. Attends, donc on va faire un soigneur. On va faire des pierres. Ah, t'as pas fait des bleus? Bah, t'as si, pas si, fait des bois? J'ai tout fait. Ah non, j'ai oublié. Ah merde, j'ai fait deux fois les. Attends, je vire celui-là. Bizarre, supprimer. Ça. Boum. Vas-y, nous mets du bois. Voilà. J'ai fait deux soigneurs. La pierre, ça va être pour casser les barricades. Il faut faire genre 2-3 bois et 2-3 bleus. Parce que eux, c'est nos attaquants. Tu vois, je veux dire. Tout à fait. Et j'arrive pas à savoir combien on en a, combien... C'est peut-être moi qui vois mal, mais je trouve que le décompte des unités est super mal fait. Ouais, je vois pas trop non plus... Tu vois, je vois un 7-4 que je comprends pas en bas. Un 7-4 comme ça? En bas à gauche. Toi aussi, t'as 7-4. Moi, je vois 20 sur 20. Non, non, à gauche. L'autre gauche. 7-4 ou est-ce que... Ah oui, tout à fait. Non, ça c'est les allées. Ça c'est les. Allées. Les petites fées qui construisent, qui minent et tout. Rien à voir c'est avec quoi les. Ça s'appelle un allée. Ouais, mais.
C'est ce qui mine, etc. Et c'est quoi tous ces trucs là? Mais pourquoi il y a des bruits d'éléphants en vrai là? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qu'il a fait Jean-Michel Bruitage là? J'avoue que les éléphants, je comprends pas. Et okay. En fait, je vais peut-être être incisif là-dessus. Hein. Incisif comme les dents? Ouais, exactement. Mais dans quoi est-ce que je vois bien ce jeu? Portable, Switch, ah ouais. Steam Deck, mobile. Course. Tu vois, ça c'est le genre de petit jeu, moi, dans le métro, prendre mes unités, aller attaquer les trucs. Un petit jeu mobile, là. Voilà, le problème, c'est que je prends pas le métro. Mais imaginons, je prends le métro. Je crois que Minecraft Legends, ça pourrait être vraiment sympathique. Sur Switch, je pense que sur Switch, ce jeu peut être vraiment très très bien. Tiens, attaquer, tu peux ouvrir la cage. Ah bon? Comment on fait? Ah oui, cul. Ouais. On a libéré les villageois. Après, c'était sûr que c'était moins mon style. Je préfère pour le moment Minecraft Dungeon. Ouais, j'ai bien aimé Minecraft Dungeon. J'ai ouvert la cage, c'est bon? Ah ouais, trop bien. Et là, on a fini alors le... Ah bah, on a tout défoncé. Hein. Non, non, pas tout. Regarde, il y a un truc là-bas. Ah oui, pardon. Alors attends, ils sont tous les... Regarde, ne te suis-je pas là, il faut les rappeler. Mais comment tu fais pour rappeler tout le monde? Faut aller dessus? Bah moi je vais dessus et je fais mon... Voilà. Bah c'est bon, on a tout défoncé là. Voilà. Ah ici, si, regarde, bien joué avant qu'on se détruit. Attends, là il y a un gros truc mauve, on va au gros truc mauve? Ouais. Allez, venez les gars. Ah, il y a plein de trucs. Ah mais en fait il y a plein. Hors découvert, on a redécouvert un truc. T'as ouvert, il y avait un coffre, un truc? Moi j'ai rien fait. Tiens, y a pas du fer ici? J'ai rien vu. Le fer, j'en ai déjà miné, hein, donc peut-être avoir en trouvé d'autres. Et en fait, ce qu'on va faire aussi... Oh, des creepers! On peut les prendre avec nous? Bah, vas-y. Ah oui! Mais en fait, il y a toutes les créatures qui sont avec nous. Et un lama! J'ai pris un lama. Il y a du fer. J'ai pris Jean-Michel Lama. Jean-Michel Lama. Viens non, c'est nous. Pas... Attends, c'est quoi? Serge Lama. C'est Serge Lama. Lama, voilà. Jean-Michel Lama. Vas-y, go! Attends, il y a du fer. Là. Bon, je prends toute ton armée. Mais non, t'es sérieux là? J'ai tout pris pour moi. Le mec il m'a tout pris. Ah, il y a un pilgrim tout seul. Oula. Ah, on n'est pas encore tout à fait prêt. Il me dit qu'on n'a pas le level. On n'a pas le level ah bon là. Bah si, regarde. Il me dit que j'ai pas encore tout à fait prêt. Moi je suis en pleine cinématique là donc. Ah bah moi il me dit que je suis pas prête. Il y a des niveaux? Ouais, écoute, je sais pas. Pourquoi je suis hyper lente? Comment ça se fait? Pourquoi je sais pas ramasser J'ai pas vu la notion de niveau, hein. La horde de la chasse est toujours en mouvement et se préoccupe peu des défenses. Préparez-vous à ces attaques incessantes. Les forces piglines ici sont assez impressionnantes. Attends, c'est où qu'on parfois allait? La bravoure seule ne peut pas l'emporter. La horde de la chasse, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour cette bataille, ah, revenez plus tard. Bon, on va faire l'autre petit avant-poste qui est à côté, là. Lequel? Bah, y'en a un autre là où je vais. Si j'ai mis une flèche, tu l'as aussi la flèche? Normalement, oui. Non là, je sais pas, tu la vois? Ouais. Ah, il est balèze, ouais, il est violent, lui. Peut-être parce qu'on n'est pas censé être là maintenant. Et tu vois, nous on peut pas lui faire des coups. Bah, comment ça se fait? Non, on peut pas attaquer. Bah, lui. On peut pas attaquer. Si, il faut l'attaquer devant parce qu'il a un bouclier en fait. Non, mais même devant, si, j'arrive si, pas si, à lui devant. Faire des dégâts. Si, moi je crois que j'arrive à lui faire des dégâts, non? Moi je pense pas. Il me semble que si. C'est par là que tu vas. Par contre, t'as vu, regarde, il a lâché une prise marine là et on peut pas la loot. C'est l'avant-poste vert où tu vas, hein. On est d'accord? Non, le petit là. Le petit, il est quelle couleur? Bah regarde, moi c'est en forme de joystick sur mon... Attends, je te suis. J'ai une clé pinguine découverte. Excellent, ça sert à ouvrir des coffres, j'imagine, dans un camp pinguine. Et là, il a une bombe, lui, attention. Il explose. Il s'est fait exploser, lui. Donc l'idée, ça va être de remettre nos puits à golem. Non, mais je suis en train de me prendre des pics. Oh oui, attention au pic, ouais. Bah aux ronces, ouais. En fait, faut choper les mobs sur la route aussi, c'est ça qui est marrant. Ouais, mais tu vois, qu'est-ce qui manque, je trouve? Un appel de zone. Genre longue portée, genre... Ah ouais, mais bon, tous ceux que je vous ai pris, là, revenez. Attends, je mets mes totems. Il y a ça du va fer, là.
Je mets... Attention, parce qu'on se fait attaquer, Attends, attends, oh, je prends du fer, moi. Et on a eu plein... roche, flamme de création, grande flamme de création. Ah, on a eu plein de nouveaux trucs, là. Attends, je mets tous les totems. Oula. Ah non, il y a de la... pierre. Bois. Ils sont en train de régène ? Ils sont en train de régène, très bien. En tout cas, le gameplay à la manette fonctionne très bien. Au clavier, ça va aussi, en vrai. Oula. C'était quoi, ça ? Bah, j'en sais rien, moi. C'était une alarme, non ? Bah ouais. Allez, ah voilà, j'ai récupéré tous mes... J'ai récupéré tous mes totems, là. Voilà, votre armée est pleine. Je les prends. Et on va attaquer. Ah bah j'ai déjà commencé, moi. Taïo. Ferme ta gueule, répondit l'écho. Mais comment tu parles, là? En plus, il y a des enfants, quoi. Non, c'est vrai. Faites pas ça chez vous. Bah non, mais c'est le plus jamais. Concret, quoi. Ah, vas-y. Pourquoi c'est bon? Eh ben, là on attaque tout. Pourquoi est-ce que je sais pas passer? Ah mais faut, faut les récupérer à chaque fois. Sérieusement? Ouais, c'est bizarre ça, hein. J'ai pas encore compris non plus ce qu'il faut faire. Chaque fois faut venir récupérer nos unités. Merde. Non, il y a un truc qu'on n'a pas compris. C'est dommage que ça reste pas. Ah. Je peux plus avoir de faire. Je m'y faire, connais pas beaucoup en jeu de ce style. Mais dans mes souvenirs, dans ce genre de jeu, t'as une touche qui te permet de sélectionner toutes tes unités d'un certain type. Ouais, normalement, oui, quand et même. Et de les mettre à un endroit quand tu le veux. Tu dois pas aller avec ton cheval et. Si. Bah, peut-être, hein. Après, c'est peut-être. En gros, on est le commandant, donc on doit aller chercher. Ah, je pensais que c'était des unités, en fait, ce sont des ennemis. Ouais, mais je connais pas bien. J'ai trouvé forcément des piglines. Bah, moi non plus, je connais pas bien, mais j'imagine que voilà, on est le commandant et donc. Et donc, on dirige nos troupes et donc on doit aller les chercher, tout ça, tout ça. On est au même endroit là, j'ai l'impression que je suis tout seul. Ouais, t'es tout seul. Et t'es où toi? Non, mais je suis à côté, je suis parti voir si je trouvais pas du charbon. Bah, pour faire quoi? Ah, les nouvelles unités. On a des nouvelles unités? Bah, on a du charbon, donc on peut peut-être faire de nouvelles unités. Ah merde, je suis arrivé là où il faut pas qu'on aille. Zut. Non, on n'a pas encore de nouvelles unités. Bien joué, t'as détruit l'avant-poste. Bah évidemment. Attends, donc moi je vais retourner. Après, le fait qu'il ne te fasse pas garder tout le monde, c'est peut-être pour éviter d'être 150 millions. Et ouais, après tu... C'est trop facile, tu vois. Là, si tu oublies des unités, bah tu les oublies. Du coup, t'es... Voilà. T'es couillé. Tiens, ouais. Là, il y a plein d'unités qu'on va essayer de récupérer. Ah, oh, tiens, tu les as prises. Et donc là, tu vas où, maintenant? Récupérer un zombie. Hop, il est tout seul, lui, le pauvre. Là, on est où? On est là? Alors, où est-ce qu'on va aller? Bah, il y a peut-être un petit avant-poste, là. C'est pas le grand. Il y en a un, là-bas. J'ai mis... Où ça? Non? Je sais pas. Non. Viens là où je vais, moi. Là, il y a un petit avant-poste, c'est pas le gros. Il y a moyen, à mon avis, de se les faire. Ce qui est dommage, c'est que tu peux pas mettre un ping que je peux voir. Moi, j'ai pas ça, ça aurait été bien. Mets un ping sur la map, là où tu vas, s'il te plaît. Alors, attends. Juste pour... Mais à mon avis, non. Je suis où? Non, mais... Je crois que je vais là. Oh! Il y a une nouvelle base de Pikmin, voilà, dans le monde. Ah, si, leur je crois que je vois. Comme une maladie. Peut-être bien. Voilà, toi, je vais ici. Ouais, je crois que je le vois peut-être bien. J'ai été mettre toutes mes unités dans des pics. Difficulté 3. 1. Ah oui, difficulté non, 1. On est en 1 ici, ça va. Ah, j'ai balancé. Voilà. Ah, là, je suis en train de les... Moi, je les ai envoyés au massacre, là, les miens. Ouais, moi, pareil. Mais on voit pas en plus le nombre d'unités qui nous reste. C'est quoi le 20 sur 20 en bas à droite? J'en sais rien. C'est nos unités, on est à 20 sur 20, c'est possible. C'est peut-être là qu'on voit combien on est de golems.
serait cool de pas réussir à taper. Ce que j'aime bien, c'est que ça tourne super bien le jeu. Hein. Ouais. Là, c'est hyper fluide. Ah, je crois qu'on en a perdu une, tu vois, 19 sur 20. Je pense que c'est ça. Alors, il faut qu'on fasse des. Oh, un chat. Le chat. Il y avait. D'ailleurs, je sais pas où elle est. Des boîtes. Est-ce que t'as fait quoi des boîtes? Bah. Pourquoi est-ce que tu t'es deux là? Parce qu'il y en avait trois. Ah, il y en a une qui est en bas. Ouais, mais. Tous les chats. Bah, c'est bon, deux. Attends, je me fais attaquer moi, j'ai même on pas a vu. Deux chats, hein. 14 sur 20 là, on a plus d'unité. Et on a plus d'unité là. Vas-y, faut faire des trucs. Alors attends, on va faire j'ai plus 3 cœurs. J'ai plus que 2 cœurs. Je vais bouger, je vais faire un puits. Je vais faire un puits parce que si on meurt, on meurt. Hein. Tu veux quoi comme unité, mec? Oh, fais chaque fois les 4 et fais un peu de tout là, on en a plus beaucoup. Ok. Moi je fais un puits. Si je peux faire un puits. Alors attends. Allez, hop, et du bois. Voilà. Oh, j'ai fait un puits et je l'ai mis en hauteur, regarde, c'est trop bien. Mon puits, je l'ai mis sur un arbre. Oh merde, t'es sérieux, mec? Ouais. Donc là, t'es en train de faire des unités. Ah merde, peut-être je fais trop de mousse. Non, voilà, il nous reste 3 unités. Ah ouais, ok, c'est bien ça. Le 19 sur 20, c'est le nombre d'unités. Ah ouais, merde. Ouais, ouais, fais pas trop de mousse. J'ai fait trop de mousse, j'ai pas fait exprès. Non, non, il faut faire... Ouais, ils vont mourir, c'est pas grave. Oh là, je me fais... Oh aïe. Parce qu'il y a plein de ronces partout, là, en plus. Oh, l'attaque... Oh, la Mewen qui arrive, quoi. Ça, quelque chose de vicieux. Les sont en mouvement. De toute façon, je vais aller refaire des unités directes. Ah! Oula! Qu'est-ce qui se passe là? Tu l'as défoncé, c'est ça? Ah, c'est quand même chouette à jouer à deux. Ah oui! En coop, c'est assez marrant. On va se faire on s'est tué par je sais pas quoi. Par des piglins. À mon avis. La fin des piglins grandit au fur et à mesure que l'obscurité approche. La fin FIM, hein, pas FIM. Ah oui, j'ai même pas vu. Invasion de piglins chaque nuit, ils exécutent des plans pour attaquer des cibles. Ok, on est en train de se faire défoncer nos unités là. Les piglins ont élargi une base. Et chaque fois qu'ils le font, ils deviennent plus dangereux. Ils deviennent plus dangereux. Ils sont tellement ici. Allez, viens on y va. Ouh, pourquoi des fois je saute super haut? Pas compris. Allez les gars. Je me demande si ça vaut la peine de se faire les mobs là ou si on n'irait pas genre... Bah, il faudrait se faire directement les spawners. Ouais, ouais. Ce qu'a pété? Il n'a rien pété du tout. Là, il y a encore un spawner là. J'aime pas que ça ressemble les spawners. C'est ça, c'est le truc avec une trappe. Et là, les piglins qu'on vient d'avoir, c'était où, là? Quand il nous a mis en garde. Mmh. Il nous a dit, ah ouais, ça attaque un camp, blablabla, blablabla. Bla, bla. C'était où? Allez, les piglins. De toute façon, les piglins, nous, on peut les tuer. Il faut laisser nos unités faire les bâtiments. Ah, mais eux aussi, ils peuvent nous tuer. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, ouais, je prends cher. What a... Retreat! Retreat! Au pire, j'ai mis un puits tout près, donc tu peux mourir. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ils sont vraiment beaux. Ah, il faut détruire les spawners. Une fois qu'on a détruit les spawners, c'est bon. Ah, mais attends, faut aller là parce que. Je fais des charges dans le temps.
faut rester ici. En plus, on a les mousses là qui nous soignent. Ah oui, c'est bien ça. Et ça permet aussi de laisser les... les pierres. Mais les pierres, elles ont l'air d'être mortes. Faut aller refaire des pierres. Ok, je vais refaire des pierres. Des pierres et faut refaire un peu tout sauf des mousses. Il y a trop de mousses. Okay. Fais des mousse. Bois aussi. Trop de des pierres et des bois. Je vais aller refaire des pierres, du bois. Ouais, j'essaie de faire un peu les spawns. Les bleus, ça fait quoi? Ça attaque, c'est bien aussi les bleus. Voilà, hop. En fait, les pierres, ça casse les bâtiments. Les bois et les bleus, ça tabasse. Et les houmous, bah ça... Les bois, c'est des archers. Ça soigne. Les bois sont tous là. Allez, là. Oh, je mourrai, je mourrai. Oh, attention, hein. Oh, oh, je suis mort. Oh là là. Connexion restaurée, connexion perdue, connexion restaurée. Comment ça se fait que je suis pas mort? J'avais zéro cœur. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Le puits, peut-être? Non, je suis arrivé à zéro cœur. Zéro cœur rouge, que des cœurs gris. Faut refaire des unités encore, elles sont tous morts. Tous, on est à 13, hein, ça va. Je vais aller en refaire, je sais pas où ils sont. T'as lac, mis là. Où les... Juste derrière. Près du puits? Je sais pas où il y a ton puits. Ah, moi je vais aller en mettre là alors. Mais non, mais j'en ai ici. Et moi j'en ai pas et je sais où est le puits. Ah, donc ça qu'il faut, hein, c'est mettre ça là. Ouh. Mettre ça ici. On fait la petite danse, hein, bien sûr. Ah, j'ai pas assez. On a plus assez de bois pour faire des houmous, tant pis. Ah, mais attends, mais du bois j'en ai plein ici. On va essayer de prendre du bois du coup. Alors. 9 sur 20, il faut en refaire plein. On sait qu'on s'est fait... Voilà... Ah bah parce que on fait les unités, tiens. Bon, là j'ai fait... 1 million d'unités. Ah oui, j'allais dire, moi je peux même pas en faire. Ah, là j'ai... Non, moi j'ai lancé le bois, moi. Fabrication de bois... Ah ok, t'es à côté, ok, bah c'est bon, t'es juste à côté. Je suis super haut, je sais pas comment ça fait. Et tu vois, il y a un autre truc que je trouve dommage. Là, j'aimerais bien sélectionner uniquement certaines unités. Tu vois, ouais, les pierres. Normalement, il y a moyen de les faire. Hein. C'est bizarre, on va réussir à faire. J'aimerais bien sélectionner uniquement les pierres. Histoire d'aller détruire tu prends tout, en fait, ouais. Des bâtiments pendant que mes autres attaquent. Par contre, on a plus de mousse là, du coup on a plus de soin. Ah ouais, on se fait. Faut faire des mousses, hein. Faut faire des mousses, ouais. Peut-être deux mousses. Deux mousses, un capitaine. Ah, t'as pas fait les mousses. Voilà. Très bien. Vas-y, tu peux refaire, là on a 7 sur 20, donc tu peux faire quelques du bois. Unités. Ah, j'ai fait 5 mousses. Ouais, putain mec, c'est trop. C'est trop, ils vont tous mourir, t'inquiète. Hein. Et en fait, tu vois, je suis tombé dans la lave. Encore une fois, jouer à plusieurs, tu pourrais mettre quelqu'un qui est... Son but, c'est de faire les mousses. Oh, les mousses, les golems. Pendant ce temps-là, il prend son petit café, tranquille. Dès que ça descend, il en fait. Ouais, c'est vrai, on est déjà à 11. Mais comment ça se fait? Défoncer, bon, ça va être quoi, bien sûr. Mais par quoi? Par qui? Vas-y, je vais faire les unités là. T'as combien en vie? Oh, je suis bien là en vie, moi. Alors, reste là, combat un peu, et je vais aller faire. Ah mais il y a encore un spawn qu'on n'a pas fait, mince. C'est ça le problème, c'est qu'il faut d'abord détruire tous les spawns. Pierre, là. La pierre pour les bâtiments c'est cool. Ouais, en fait il est tout à l'arrière. Ouais mais c'est pour ça. Hein. Allez venez les gars. Il est où? Tout à l'arrière.
c'est bien ça. Voilà. Ah non, c'est pas fini. Je vais retourner faire des unités parce qu'on a plus beaucoup. Je vais faire des attaquants. Comme ça, on va aller attaquer maintenant. Moi, j'ai fait de la pierre là. Du coup, ils sont en train d'attaquer les trucs. J'espère qu'il va tomber vite. Ouais, et dès que t'as fini ça, tu peux faire les tours ouais. Qui balancent les flèches là. Moi, je fais. C'est vrai que c'est cool qu'on puisse pas voir les... Ah voilà, oh, et comment ils ont défoncé vite le truc, c'est trop bien. C'est con qu'on puisse pas voir quoi ? Bah là, les points de vie des bâtiments et tout quoi. Ouais, je sais pas, il y a deux, trois petits détails. Peut-être qu'on sait et qu'on sait pas comment on fait. On a un peu des glands. C'est possible aussi ça. C'est tout à fait possible. Deux, trois petits détails que j'aurais mis. Moi, la vie des bâtiments, je l'aurais mise. Allez, venez les gars. Il y a peut-être une option hein, qui permet de le faire dans les paramètres. Nous, on n'a pas regardé les paramètres. Je viens seulement de comprendre un truc. La mousse, ça marche parce qu'en fait, ils se remplissent d'eau qui balance dessus. Ouais. Et eux, c'est parce qu'ils nous balancent du feu. C'est pour ça que ça marche. Les piglins se préparent. La invasion. Mais invasion de quoi? Oula. Vous avez succombé. J'ai pas fait attention, je suis mort. Ah, t'es mort, t'es sérieux? Je disais le texte, hein, moi. Ah, moi aussi, je vais mourir en fait. Je disais le texte. Merde, je vais mourir. Normalement, on revient au puits. Tu vois, ça qui est bien, c'est qu'on revient au puits. Faut pas que je te raise. Et ça veut dire que c'est pas du tout punitif comme jeu. Bah, a priori, non. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point. Parce que c'est vrai que je lisais le texte là, il me disait Piglin allait faire l'invasion. Donc moi j'ai même pas fait attention. Et donc je me suis fait avoir. Ah, ils sont tellement. On sait qu'ils sont tellement. Bah, c'est un gros spawn ça, cette tour là. C'est le portail vers le Nether. C'est de là d'où ils viennent. Il faut aller refaire des. Ok, je vais refaire des unités, d'accord? Ça, j'ai plus beaucoup de vie. Allez, je pensais. On va aller refaire des unités. Ouais, on va faire des unités. On ne te laissera pas faire. Nether surrender. Wow. Non, je vais mourir. Mais comment c'est que je meurs? Mais parce que tu fais n'importe quoi. Mais non, mais j'ai pris genre toute ma vie d'un coup. Vas-y, je vais faire deux mousses et des combattants. J'ai l'impression que j'ai perdu toute ma vie d'un coup là, j'ai entendu wouh. Ouais, parce que t'es mort. Vas-y, tu les prends. C'est bizarre quand même. Ou c'est parce que je fais pas attention, je reste dans la lave. C'est possible aussi ça. Ah mais attends, il y a un truc là au-dessus. Quel truc? Alors ça, ouais, t'as raison, c'est la première fois que ça. Je peux pas taper, ça c'est naze. Tu ramènes les unités hein. Bah là je suis en train de taper les bâtiments qui restent. Chaque chose en son temps. Et nous on va aller attaquer. Non mais... Attaque ça, il est à 50%. Faut tout donner hein. Faut tout donner. Et j'ai donné. Donné. Ah ouais, mais ok, je perds, allez, je perds la moitié de ma vie avec une. Ah, mais à mon avis, je dois me prendre la salve de flèches d'un coup. Ah, avec toutes les flèches d'un coup, c'est sûr que ça fait mal. Ouais, je crois que c'est ça. T'en es où avec les unités là? Bah, elles sont là. Vas-y, moi j'ai tout mis sur le portail du Nether. Mais ils attaquent pas mes trucs. 52%. Ah bien, c'est bien les ah gars. Mais c'est parce que Mewen me les reprend après. Non. Voilà, 50%, on est arrivé à la moitié. C'est bien. Et ça c'est bien, on a la vie. Ouais, là, c'est... là on a, ouais. Je vais aller faire des unités, alors on a 19. Le portail subit de graves dégâts. Écho, écho, écho.
Ouais, je sais bien. Ah ouais, d'accord, ouais, ok, ouais, je vais prendre la salve aussi. Il y a encore une tour, en fait, là, sur le côté, là. Ouais, mais... À mon avis, on va la tuer, là, tu vois, 19. T'as fait 19 bien de mousse, là, je crois. Quoi? Bah, y en a aucun qui meurt, je crois que t'as fait suffisamment de mousse. Mais non, j'en ai juste un qui me suit de mousse. Et tu vois, là, il y a un truc que je ne sais... Je fais quoi, moi, dans ce cas-là? Maintenant que c'est en train de taper. Je tape les ennemis, moi. Et j'ai plein de sangliers derrière, là. Sangliers! Marcassin! Allez, les gars, attaque. 26%, pourquoi ça attaque plus, là? 25, si, si, ça attaque. 23. Ils sont où, parce que... Ah, ils sont tous dessus, là. Ah ouais, il y a toutes les mousses, là. C'est un vieux bâtiment. Il y en a qui sont au-dessus là qui font rien. Allez, on attaque. Allez, bah voilà, ça marche plus dans le coup. C'est bien ça. On comprend petit à petit ce qu'il faut faire. Passionnant comme jeu. Bon. Ah si, c'est marrant. Faire un petit café, moi. Bon, ça clignote un peu. Attention les yeux, j'avoue, sur les deux écrans, ça fait un peu... Un peu guirlande de Noël là. Là, je pourrais aller rechercher des ressources, peut-être. C'est ça que j'aurais dû faire à ce moment-là. Regarde ça. Je crois que c'est l'idée d'aller rechercher des ressources quand on n'a rien à faire. Tu vois, du fer, on n'a plus de fer. Tout à fait. Le temps passe très vite, en tout cas. Alors, sur le jeu. J'étais dessus. J'étais dessus. Je pense que j'ai explosé avec. Ah, allez, c'est hop, chances, une petite cinématique. Ils ont foutu toute la thune là-dedans. En vrai, c'est trop beau. Mais c'est... Ouais, les cinématiques sont bien foutues. Maman sanglier. Écoute-moi, je retiens quand même que le jeu est joli, le jeu joue à plusieurs. Ouais. Bon, le jeu est quand même marrant, et le jeu est plutôt bien fini. Ouais. Alors ça, en 2023, pour moi, c'est un exploit. Ouais, j'avoue, putain. manque un peu de compréhension, on veut dire un peu au niveau du... Peut-être du level design, mais plus au niveau de l'interface en fait. Pas évident que l'interface a bien. Le dacticiel est très court. Hein. Et pas hyper facile, ouais. Le dacticiel c'était 5 minutes. Et j'ai pas tout compris en faisant. Après, faut peut-être être un peu plus concentré que nous en train de faire une vidéo, etc. Avec la petite dans le porte-bébé là. Peut-être qu'on n'est pas trop en mode on suit. Ah, si, moi je suis en mode comme d'habitude quoi. Ouais, moi j'ai pas trop suivi au début. Ah bah voilà, ici on a réussi. Quelque chose de dangereux rôde dans le Nether. Attendons son heure. Je crains que bientôt, elle ne vous prenne en chasse. Et ah, il en reste là-bas. Maintenant, choisissez la structure pour améliorer votre lutte afin de jouer la mélodie du fer. Et les allées le construiront pour vous. De choisir la mélodie pour construire quoi? On a déjà fait ça. Le fer? On a déjà fait le fer. Ça, c'est du fer? C'est quoi, ça? Ça, je sais pas, c'est de la bedrock, on peut pas faire quoi que ce soit avec ça. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant d'ailleurs? Le fer, on en a plus, donc je vais aller en reminer, il y en a là. On va en reminer. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Ouais, maintenant qu'on a fini. Là, on va s'arrêter ici sur cette mission là. Et bah, on reverra un petit peu. C'est quoi le but du jeu maintenant? C'est de refaire comme ça à chaque fois toutes les petites villes? Bah ouais. Et. Mais peut-être que ça va attendre. Moi, je m'attendais à, honnêtement, mais ça viendra peut-être après, un peu comme des RTS, où on a une base à devoir faire avec... Ah, oui, c'est vrai, ça. Moi, je m'attendais à ça. Visiblement, ça a l'air d'être très orienté sur... On fait des unités et on attaque. Encore sans faire son camp, mais bon. On s'arrêtera après cette petite cinématique. Un morceau de bannière piglou. Le courage des squelettes a provoqué la colère des piglou. À la limite, tu préfères ça qu'un vrai RTS. Moi, j'aime pas les RTS. La vengeance est venue frapper à la porte de tous nos amis, j'en ai peur. On est amis avec les squelettes maintenant, c'est mignon. De leur bravoure. Monsieur m'a amené peur, ont un fils. Les enfants de la surface se sont battus à vos côtés pour ramener la lumière. Agent, et maintenant, j'en ai peur. Le foyer est attaqué. Rejoignez-les et montrez-leur qu'ils peuvent avoir confiance en vous. Oh, écoute, il faut que... Ouais. Il faut que je me refasse la main, c'est le meilleur moment pour arrêter la vidéo, là. Tout à fait, on va quitter voilà. Là-dessus. Hein. Et oui, mon loulou. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce petit Minecraft Legend.
À très bientôt.